On investit dans Timoun pour une société de jambes sans force côté, c'est thème central conférence nationale ça, sur enseignement préscolaire dans le système éducatif haïtien. C'est depuis longtemps, l'État a toujours une prérogative pour prendre l'éducation de Timoun Petit en charge, ça qui joue un rôle important dans l'apprentissage. Prise en charge ça a favorisé le développement langage, disposition mentale qu'il y a, connaissance Timoun dans l'âge 3 pour 6 l'année, compétences culturelles et développement social. Conférence nationale sur préscolaire qui sous l'obédience bureau gestion préscolaire dans le ministère l'éducation nationale a 6 objectifs spécifiques qui c'est mettre base sur consensus national sur développement classe préscolaire dans le pays a présenter démarche ministère dans cadre développement timoun piti yo bailler un premier coup de jet sur formation formateur préscolaire yo bailler quelques pistes pour joindre solution sur inégalité sociale confirmer rôle régulateur bureau national gestion préscolaire différents acteurs qui t'a participé dans cérémonie lancement ça bailler 10 ans sur initiative ça pour représentant UNICEF en Haïti à Bruno Maes conférence a reflété engagement gouvernement sur renforcement éducation dans pays a. Il souhaitait autorité continuer poser action pour faire éducation yo une priorité. En tant que représentant de l'UNICEF en Haïti, je tiens à réaffirmer l'engagement indéfectible de notre organisation aux côtés du gouvernement haïtien. Nous nous engageons à soutenir la mise en œuvre d'une feuille de route stratégique pour le renforcement du sous-secteur préscolaire en commençant par une enquête diagnostique. L'UNICEF reste un partenaire fiable et dévoué, prêt à accompagner Haïti dans ses efforts en faveur de l'enfance, aujourd'hui et dans l'avenir. Ministre éducation nationale là, Antoine Augustin Soubopal, évoquait différents défis sous secteur ça qu'on est. L'innécessaire et même urgent pour former éducateurs et éducatrices préscolaires. Conférence nationale ça a pris un moyen pour réorganiser sous secteur ça. Le préscolaire c'est avant l'école, c'est l'éducation initiale, l'éducation basique. Parents contents. Les petits yo depuis dans deuxième année kindergarten qu'on lit, écrit, fait calcul, développer émotions et compétences et ça prépare timoun yo pour rentrer dans l'école fondamentale. Chers amis, savez-vous que le préscolaire est nettement plus cher que l'enseignement supérieur en Haïti? C'est comme une injustice faite aux enfants. Il est en effet temps de se projeter dans l'avenir de la nation, dans la vie de nos jeunes, pour initier un processus de construction d'une société égalitaire, sans force côté, comme l'indique le thème, en investissant dans Timounio pour une société de jambes, sans force côté. Premier ministre haïtien, Dr. Gary Conille, parle sous crise insécurité qui touche toute couche dans la société, notamment sur le secteur préscolaire. Il rappelle responsabilité tout grand monde pour construire une société solide sous bon Jean Valais. Il demande au ministre de l'Éducation nationale de mettre en place toutes dispositions nécessaires pour permettre l'enseignement préscolaire à faire sur tout territoire national. Investir dans le préscolaire, c'est investir dans l'avenir de notre nation. C'est pourquoi je tiens à exprimer la volonté du gouvernement de s'impliquer pleinement dans le développement du préscolaire en Haïti. Ensemble, nous avons le devoir de soutenir les familles, de financer ce sous-secteur et d'assurer sa mise en œuvre dans une approche inclusive pour bâtir la femme et l'homme nouveau en Haïti. Évidemment, nous sommes tous conscients de la nécessité de refonder notre société sur des bases beaucoup plus solides. Les repères fondamentaux qui devraient guider notre vivre ensemble se sont érodés. En tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à gérer cette crise de manière proactive en œuvrant pour des élections démocratiques. N'a pas rappelé, conférence nationale ça va durer 3 jours. Participants pendant 3 jours ça yo, a gain pour débattre, faire échange et puis partager l'idée pour permettre des décisions qui prend pour aider dans réussite année scolaire 2024-2025 là. Yon année autorité ou accompagner parents qui gain ti moun dans l'âge pour préscolaire d'après Premier ministre Gary Conille.